Varhomme a été créé en 1964 par Pierre Paillon, qui avait pour objet essentiellement de servir le monde des glaciers avec des arômes ou des préparations. Et puis, dans le temps, cette entreprise a changé d'actionnariat en 2001 auprès d'un autre groupe, avec notamment un PDG, M. Le Sen, et qui est aujourd'hui l'animateur Natis Flavors. Donc, cette entreprise travaille dans le monde des arômes alimentaires. Nous nous qualifions comme aromaticiens, c'est-à-dire que nous faisons de la conception et de la fabrication d'arômes alimentaires pour les métiers du monde du dessert. Nos clients sont des pâtissiers, des chocolatiers, des glaciers, des artisans des métiers de bouche, hein, des grands chefs en général, et également des industriels pour des produits premium haut de gamme. Alors, dans un premier temps, nous faisons des conceptions de produits dans notre laboratoire ici, qui a pour but soit de répondre à des demandes de nos clients, soit également d'être aussi en force de proposition en proposant des collections selon les familles de produits. Et une fois que ces produits sont réalisés, agréés par nos clients, ben nous allons pouvoir les lancer en production, hein, et ensuite rendre bien sûr ce service à nos clients. Donc le chiffre d'affaires de Cévarhomme à l'international, ça représente 25% du chiffre d'affaires à peu près selon les années, et il est en croissance permanente depuis au moins 15 ans, enfin très très marquée la croissance à l'export. Nous exportons principalement donc dans la CE, 18 pays à peu près de la communauté européenne. Le reste de notre chiffre d'affaires se répartit entre les États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Beaucoup de pays d'Asie également, Chine, Japon, Thaïlande, l'Océanie fait partie aussi des territoires sur lesquels nous exportons. Depuis 3-4 ans également les pays du Golfe et tout récemment certains pays de l'Europe de l'Est. On travaille avec des importateurs, distributeurs qui, pour certains, sont très fidèles, puisqu'il y en a que je connais depuis plus de 20 ans. J'ai été dans énormément de cuisines, de restaurants new-yorkais ou autres. C'était des marathons parfois, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et il faut expliquer, toujours argumenter. Please argue, argue. J'ai entendu cette phrase des milliers de fois. Argumenter pourquoi nos produits sont meilleurs que les autres. Beaucoup savent que la principale raison, c'est la qualité, la créativité et l'intégrité de nos produits. Ça va ?